Les obsèques du père du président de la Fédération camerounaise de football, M. David Eto'o, ont eu lieu le week-end dernier. De nombreuses absences ont été observées lors de ces obsèques-là et ça fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Nous nous posons les questions des raisons de ces absences-là sur notre plateau avec notre consultant Annie Renaud. Bonsoir, M. Renaud. Bonsoir, mon cher Magique, et bonsoir également à tous les internautes voilà, très sympathiques qui nous laissent des messages toujours aussi sympathiques. Bonsoir chers internautes, merci de regarder cette vidéo. On parle des obsèques du père du président de la Fédération camerounaise de football et surtout des grands absents à cet événement-là. On peut déjà parler des anciens coéquipiers de Samuel Eto'o fils qui ont brillé par leur absence, que ce soit les anciens coéquipiers sous les couleurs des Lions indomptables du Cameroun ou alors en club. Rigobert Song était représenté, très peu d'autres étaient présents. Il était présent, parce oui, représentait... ouais, était présent. Oui, très peu d'autres étaient présents. Oui, très peu d'entre eux étaient présents et même représentés. Parce que si vous n'êtes pas présent, peut-être vous faites représenter, si vous êtes empêché. On peut prendre la liste hein, des anciens Lions qui ont appartenu aux différentes QV des années 2000 à 2010, 2012, les périodes de Eto'o, jusqu'à 2014, 2015 par là. Mm. Bon, voilà, on va quand même se rendre compte qu'ils étaient peu nombreux. On peut même parler des Lions actuellement en activité. Bon, il y en a qui étaient en club et qui avaient des matchs. Là, voilà, c'est une raison assez compréhensible. Alors, si vous prenez, alors j'essaie de prendre les Dream Team hein, des années 2000-2002. Vous avez dans le but, tiens, Alioune Bouka. Et Discalus Kameni aussi. Discalus Kameni. Parlant toujours des gardiens, vous avez donc Souleymanou. Mm. Oui, qui était dans l'ancien staff de Rigobert Song, comme entraîneur des gardiens. Bon, essayons de regarder un peu la défense. Est-ce qu'on a fini avec les gardiens Oui, on a l'essentiel. L'essentiel, ouais, il y a eu plus tard les DSMB, il y a eu Chantin qui est venu 2014. Oui. Voilà. Bon, essayons de regarder la défense. Vous avez Gianca Bianca, vous avez Kala Congo, Wemelen, Tchatobil. Périne Doumbé, bon là, c'est vraiment pour ceux qui ont regardé l'équipe en 2002, hein, Doumbé Périer, voilà, Atouba, Timothée. Timothée, ouais. Bon, ouais. Donc, ils sont nombreux comme ça. Bon, au milieu de terrain, vous avez les gens de Makoun, vous avez. Bon, Alexandre Song, Stéphane Biard. Stéphane Biard. Voilà. Il y a des noms. Il y a des noms. Il y a des noms. Voilà. Ils sont nombreux. Bah, Laurent Letamé-Maillère, oui, Soufo Patrick. Olembe. En attaque, Patrick Mouma était là. Bon, il savait également, plus tard, il a joué avec Choupo-Moting, il a joué avec Vincent Baka. Bon, Choc. Ils étaient sous. Choc-Colobango. Pour cette jeune génération, ils étaient occupés en club, parce qu'il y avait des matchs de championnat. Et surtout que la plupart des championnats internationaux en Europe, comme du côté de l'Asie, hein, voilà, nous sommes déjà dans le money time. C'est-à-dire que les championnats tirent déjà vers le fin. C'est-à-dire les 32e journée par-ci, par-là. Et les clubs ont vraiment plus que besoin, plus que jamais, de leurs joueurs essentiels, leurs joueurs clés. Donc, pour dire simplement que ce n'était pas la grande affluence chez les anciens Lyons. Chez les anciens Lyons. Parce qu'on peut citer également des gens comme Omar Biyik et consorts, ces anciens Lyons, qui ont même précédé la génération Eto'o. Mais Roger Mila était présent, je crois bien. Roger Mila était présent, oui, on l'a vu du côté de Douala. Voilà, donc, de façon générale, et puis vous avez parlé de club également. C'est-à-dire les coéquipiers en club, on n'a pas vu peut-être Ronaldinho. Alors là, nous essaierons un tout petit peu de relayer hein, les impressions. Des internautes. Voilà, les impressions. Oui, de façon générale, les anciennes gloires, les anciens Lyons, anciens coéquipiers de Samuel Eto'o n'ont pas fait, ils n'étaient pas nombreux à faire le déplacement. Et en club également, on parle de club, des anciens coéquipiers en club. Que ce soit la grande époque du Barça, hein, on se serait peut-être attendu, certaines personnes. Alors je rappelle que nous relayons ici les pensées et les impressions des internautes qui, sur la toile, essaient de faire justement ce récapitulatif-là. Ils se dérogent en fait sur les absences de certaines personnalités qui, pour eux, ces internautes-là, auraient dû être présents. Messi n'était pas présent.
Et on sait quel est le lien, quels sont les liens, les rapports entre Messi et... Bon, Messi qui est aussi en club en ce moment aux États-Unis. Oui, c'est vrai qu'il a été même éliminé de la Copa... CONCACAF. La Champions League, de ce côté-là. Mmh. Voilà, on se serait peut-être attendu aussi à voir Ronaldinho. Ronaldinho peut-être, il n'était pas présent. Beaucoup de coéquipiers comme ça en club de Samuel, d'ailleurs, il y en a qui ont fait des publications pour demander pourquoi ces gens-là n'étaient pas présents aux obsèques du père de Samuel Tofis. Donc, les anciens coéquipiers en club de Samuel Tofis, pour la plupart, n'étaient pas présents. Je pense même pas qu'on ait vu un seul. On n'en a pas vu. Un seul de ces anciens coéquipiers, que ce soit au Barça, que ce soit à l'Inter. Parce qu'à l'Inter, Milito, Schneider, Materazzi, Julio César, Maicon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils n'étaient pas présents. Donc, voilà, est-ce que c'était un hasard de calendrier? Parce qu'il faut quand même dire que faire des longs déplacements, ce n'est pas souvent évident. Je sais que parfois même on peut être dans le pays, on peut être au pays, on peut être dans la même ville et avoir des obligations ou alors avoir des contraintes qui empêchent justement d'être présent. Donc de façon générale, on a fait ce constat là, ils n'étaient pas présents pour la plupart. Pour quelle raison? Mais on peut quand même imaginer, mon cher Magic, que même s'ils ne font pas la publicité sur la toile de leur correspondance, on peut quand même imaginer un temps soit peu, que ces différentes personnalités-là aient au moins adressé des condoléances à Samuel Tofis. En fait, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Même si vous n'êtes pas des amis, même si vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec X ou Y, la moindre des choses, peut-être, généralement, c'est au moins les condoléances.